Écoutez, on a travaillé Feed the Flame pour son dernier galop préparatoire sur l'Hipporome, pour qu'il prenne un petit peu connaissance avec la piste, puisqu'il va, il va participer au, au prix du Jockey Club. Donc voilà, c'était une bonne prise de contact pour qu'il apprenne un petit peu à galoper sur ce parcours qui est assez particulier. Et donc, comme il a couru que deux fois à Longchamp en course, c'était bien voilà, de l'emmener un petit peu ici pour qu'il voit autre chose. Le but aussi c'était de partir un petit peu régulier parce que c'est vrai qu'il a tendance en course à partir un petit peu mou et de manquer peut-être parfois un peu de vitesse. Et justement on voulait lui apprendre à partir sur un galop d'un rythme assez soutenu pour qu'il puisse se placer tout de suite dans le coup. Et honnêtement il a tout fait parfaitement. Donc je pense que voilà, tous les feux sont au vert. Il a l'air prêt physiquement, il a pris un peu de force, il a bon œil, donc je pense que tous les feux sont au vert pour lui pour aller sur le prix du Jockey Club maintenant. Alors oui et non, il avait l'air quand même un petit peu plus anxieux que quand il travaille sur les pistes des aigles. Il a senti que ce matin c'était un galop différent de ceux d'habitude. Déjà le fait qu'ils marchent en main et qu'ils attendent les jockeys, je pense que c'est un bon exercice pour les schooler un petit peu avant des grandes courses comme ça. C'est sûr que voilà, l'hipporome de Chantilly est assez particulier, les chevaux sont souvent un petit peu nerveux. Il va y avoir un défilé en plus, donc voilà, le plus important aujourd'hui c'était de prendre connaissance de la piste et qu'avec ce galop il arrive aussi très serein. Dans quelques jours pour la course, parce que c'est vrai que si on lui met des galops durs ici et s'il est trop stressé, ça va certainement pas coller avec ce qu'on leur demande pour le Jockey Club, mais honnêtement aujourd'hui il a tout fait parfaitement.